Après leur élection pour un mandat de 3 ans, les membres des comités de gestion des centres de santé des 11e et 13e arrondissements de Cotonou étaient à la direction départementale de la santé du littoral pour une séance de formation. C'était en présence des 2 chefs d'arrondissement concernés. Nous avons passé en revue l'arrêté interministériel qui régit l'organisation, l'attribution et le fonctionnement des COGEC. Donc nous avons passé en revue article par article cet arrêté. Et c'est ça qui nous a permis d'échanger sur leur rôle, leurs responsabilités, les fonctionnements, quels sont les avantages auxquels les membres des comités de gestion ont droit dans les formations sanitaires et quelles sont les obligations aussi envers la communauté. Les participants ont vraiment eu à poser toutes les préoccupations. Également, il y a eu beaucoup de partage d'expérience et nous comptons vraiment sur les uns et les autres pour mener bien leur mission. Nous avons vu vraiment l'engagement communautaire et nous savons qu'avec eux, la participation communautaire sera de mise. Vu la qualité des enseignements et des débats au cours de cette formation, le médecin coordonnateur de la zone sanitaire Cotonou 6 se dit satisfait de l'initiative et fait des recommandations. La seule recommandation, c'est de les exhorter à mettre en application tout ce qui a été dit ici et d'avoir comme Bible les manuels de procédure et l'arrêté interministériel qui régit l'attribution, l'organisation et le fonctionnement au niveau des comités de gestion. Les participants, quant à eux, nous font le point de ce qu'ils ont retenu. Cette formation était attendue et ça nous a permis de rentrer en possession des informations dont nous avons besoin réellement. Nous nous sommes acquittés de nos responsabilités par les explications des formateurs. Je crois qu'à partir de cet instant, nous savons à quoi nous sommes appelés, qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner les agents de santé, surtout les médecins, pour l'atteindre des objectifs. C'est-à-dire, aujourd'hui, comme ils l'ont dit, la question de la santé n'est plus seulement celle des agents de santé. Et il faut impliquer aussi la communauté. Et surtout, ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est d'amener la population à fréquenter les centres de santé. Par notre position aujourd'hui, jeunes que nous sommes appelés à organiser des sensibilisations, mobiliser la population, afin de leur montrer que quelque chose a changé aujourd'hui, afin qu'ils puissent désormais fréquenter ces centres-là. En tant que membre COGEC, ce qu'on doit faire pour que la population ait satisfait, c'est ce que j'ai retenu dedans. Parce que être COGEC, ce n'est pas facile. C'est totalement du bénévolat. Et quand tu n'aimes pas la population qui t'a mise là, tu ne peux pas le faire. Donc, je vous remercie quand même. Que nous devons travailler la main dans la main, que ce soit personnel ou élu COGEC, nous devons travailler la main dans la main pour que ce que la population attend de nous, ils puissent le voir. Faut-il le souligner ? Ils ont bénéficié des conseils de la directrice départementale de la santé du littoral, Madame Josiane Azé, qui se dit prête à répondre à toutes les différentes préoccupations. La population aussi a des choses à nous dire. C'est pas à votre billet qu'on aura l'information.